Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up pop art. Si vous avez pas beaucoup de pratique dans le maquillage, il n'y a aucun problème, c'est hyper simple à réaliser. J'espère qu'en tout cas la vidéo va vous plaire et je vous fais plein de gros bisous. Si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher des pouces en l'air. Pour commencer, j'utilise mon fond de teint de chez Sephora qui est le Wonderful Cushion en teinte 14 il me semble. Et je l'applique avec la petite éponge qui était déjà dedans. Ensuite, j'utilise mon concealer de chez Sephora qui est le 26 en pêche. Je l'ai pris en teinte aussi foncée parce qu'en fait mes cernes sont assez bleues. Donc ça veut dire que si j'utiliserais un concealer plus clair, impossible pour moi de cacher mes cernes et toutes les imperfections. J'estompe bien évidemment le tout avec un beauty blender qui vient de chez H&M je crois et il est très bien. J'utilise cette fois-ci ma poudre de chez NYX Translucide et je l'applique avec un beauty blender qui n'est bien évidemment pas humidifié et je viens l'estomper par la suite avec un gros pinceau fluffy. J'utilise ensuite un petit blush de chez Yves Rocher qui ressemble à de la framboise. Il faudra ensuite n'importe quel rouge à lèvres rouge afin d'appliquer avec un coton-tige chaque petit point de façon assez symétrique. C'est une chose que je n'ai pas faite et que je regrette puisque ça rendait pas exactement comme je voulais. Je m'en suis rendu compte seulement après avoir tout terminé, après avoir tout filmé. Mais bon, c'est pas grave. J'utilise ensuite mon liquid liner de chez NYX et je viens l'appliquer sur chaque trait de mon visage. Alors libre à vous de faire comme vous voulez, vous pouvez très bien appliquer des traits fins comme des traits épais. Moi j'ai préféré les faire plutôt épais puisque je trouvais que ça rendait mieux. Vient le temps de mes sourcils, moi j'ai décidé de faire le contour de mes sourcils et de dessiner les 2-3 poils existants afin de rendre un regard un peu plus dramatique, vous comprenez. Et je viens me créer mon big liner. Alors vous êtes totalement libre de faire un petit, un gros liner. Mais moi je trouve que faire un grand trait de liner c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce qui va vraiment compléter ce maquillage. Et je viens tracer des faux cils. Parce que je n'en avais pas. Pouf, magie, mon deuxième œil est fait et avec le liquid liner blanc de chez NYX, je viens dessiner le trait en suivant tout simplement les lignes de mon œil du bas. Ça va vous permettre d'agrandir tout simplement votre œil et de donner l'illusion que votre regard est beaucoup plus perçant. Et avec mon liquid liner noir que je reprends, je viens dessiner les cils du bas comme si c'était mes véritables cils, donc je ne vais pas mettre de mascara dans ce maquillage. Je reprends mon petit rouge à lèvres que j'applique bien évidemment sur mes lèvres cette fois-ci et je vais reprendre mon liquid liner noir et je vais dessiner les contours de mes lèvres. Alors attention parce que là je vous conseille de prendre en fait un rouge à lèvres beaucoup moins gras que le mien parce que ça n'a pas vraiment tenu, c'est un peu craquelé comme vous pouvez voir et je viens dessiner les espèces de petites gerçures sur mes lèvres. Avec n'importe quel crayon bleu maintenant je viens dessiner les larmes qui coulent de mes yeux, bien évidemment, parce que je suis quelqu'un de triste. Et je viens dessiner mes futures larmes, donc c'est-à-dire l'intérieur, donc la couleur. Je reprends ensuite mon liquid liner pour faire le contour de mes larmes, pour qu'elles soient beaucoup plus réalistes. Et hors caméra, j'ai mis une petite goutte blanche avec le liquid liner blanc pour que ça fasse beaucoup plus de reflets. Et pour terminer ce maquillage, enfin, je viens ajouter une petite goutte de liquid liner blanc pour rendre cet effet beaucoup plus glossy aux lèvres.